Benvinguts a el segon dia dels despertells. Avui tenim una sessió que ens agrada de molt, sabeu, molts de vosaltres ja viu en altres edicions dels cartells. Normalment dediquem un dia a treballar sobre els temes de relacions internacionals, que més ens afecten, més ens contextualitzen les nostres relacions aquí a la regió euromediterrània. Ahir vam tindre unes aproximacions molt interessants, amb moltes idees sobre els reptes que tenim, en concret i molt més sobre les crisis i sobre el repte de la crisi climàtica. Però avui ens agrada molt aquest format, és un format que ens sentim molt còmodos, és el format que nosaltres diem els deliverers de la Mediterrània, no? Les persones que heu bàsicament estressat, a les persones que heu treballant amb projectes, que esteu fent que funcioni el que ja diem, que és aquest ecosistema euromediterrani. Nosaltres sempre ens venim amb aquesta idea, no? Va presentar també la consellera la delegada i l'estratègia mediterrània, que les estratègies, les polítiques, es fan sobre la base d'aquest ecosistema d'actors que estem en un centre, crec que a vosaltres ens agrada dir que és Catalunya, amb moltes maneres, però són aquests sistemes d'actors que estan tan compromesos, que continuen treballant, que fan certs projectes i programes, i en aquest cas molt des de la base de la cooperació territorial. Per tant, avui és un dia de donar la paraula, de donar l'altaveu, com dèieu mai també, als sectors que feu possible aquesta cooperació. Però nosaltres sabem que aquests sectors no només actueu, sinó que també feu part de recerca, d'anàlisi, d'estudis, d'universitats, que també esteu compromès amb el nou projecte innovador de governança. Per tant, ens hem de donar també respostes i perspectives a com podem incidir des d'aquest punt de vista. Doncs això és el que farem avui, amb un format una mica, diguem, diferent. En fem dues parts, començarem amb una primera part, on hem invitat a parlar amb uns actors també, una mica diferents, que a vegades estan barrejats, són aquests experts, aquests centres de recerca, aquests acadèmics, que estan molt implicats amb el que eren les eleccions d'ahir, pensar les eleccions internacionals, però que també els veurem més implicats amb l'anàlisi, l'estudi i les propostes d'excel·lència de recerca cap a on anem amb l'operació territorial. I ho volem fer perquè ahir ja va quedar bastant evident, crec que a totes les taules, ahir ho passàvem, preparàvem aquesta sessió, que existeix una dinàmica, diguem, operacional en base, diguem, al territori molt present amb les relacions internacionals. A cada una de les reflexions que es van fer sobre els reptes de la governança internacional que teníem de la crisi climàtica, es va quedar molt relleu la necessitat d'aquesta col·laboració, d'aquestes sinergies entre els actors, i com tots aquests temes més globals afecten i ens hem de continuar treballant amb aquest nivell. Doncs nosaltres ahir vam veure quines eren també algunes debilitats d'aquesta operació, sobretot el terme de canvi climàtic, que és el que ens vam fixar de les crisis al nostre punt. Com vam veure aquí moltes de les ciències a l'hora de coordinar tot aquest que diem, la governança aquesta multinivell, va quedar clar que si no és horitzontal, no hi ha aquesta, no és efectiva. També vam quedar clar que no ens conformem amb un context de col·laboració, diguem, on acompanyem polítiques que moltes vegades van des dels actors tradicionals, dels estats, de la Comissió Europea, que volem estar més presents des de dinàmiques més flexibles. Tot això es va quedar clar. Però també ens va quedar com la idea de que potser amb tot això que estàvem parlant ens faltava una mica aquesta idea de cap a on va la cooperació euromediterrània. Quina és la nostra visió?
si existeix realment un compromís, no sutut de tot aquest projecte. Ahir els nostres participants des del Marroc, sobretot que va haver participants institucionals del Marroc, van recordar que ells també tenien moltes ganes de tirar endavant tota aquesta col·laboració. Però precisament que vam veure que hi ha tant buit, diguem, d'altres mancances, avui vivim posat en relleu la necessitat del que nosaltres diem en anglès, en català, coneixement, recerca, coneixement, knowledge. Més que recerca aplicada a l'anàlisi ja es fa des dels vostres organismes, aquest coneixement. I voldríem veure si és possible que els centres d'anàlisi d'estudis i les universitats ja estan treballant directament amb temes, ja sigui de relacions internacionals, de cooperació interbanana, de relació territorial, volem saber si estarien interessats en començar a treballar sobre les perspectives del que és aquesta nova dinàmica de col·laboració euro-mediterrània. Nosaltres diem cooperació territorial i transnacional, a vegades diem macroregió, a vegades diem euroregió, a vegades diem projectes d'interreg, a vegades diem llamós nom. Però sobretot el que veiem és que hi ha una cooperació transnacional amb clau territorial, on volem pensar on es pot posar avui, que està acompanyant les relacions internacionals amb la Mediterrània i que en canvi va en paral·lel o subsidiàriament amb les relacions, i voldríem que estigués al foc de tot això. Que quan analitzem el partenariat, la Unió per la Mediterrània, el FAI, tot això, aquesta anàlisi fos una anàlisi central també de tot aquest coneixement. En fi, jo no m'allargaré més, anem a veure com hem definit aquest diàleg avui. Per fer-ho també, estem molt contents perquè també volíem sortir dels que sempre hem treballat junts amb aquesta matèria. I per això ens hem permès una mica obrir-ho a fons, potser no massa, obrir-ho una mica, i obrir la materialitat com la nostra, també estaran ocupant-se de com gestionar espais complexos de gran complexitat geoestratègica i de cooperació. Se'ns va ocórrer el centre d'estudis que està, no us ho explicarà ara la Georgia Hansi, que ve d'Atenes, que és la directora de recerca i desenvolupament de polítiques a l'International Center of Black Studies. És molt interessant el tema del Black Sea, del Mar Negre. Ella ens explicarà ara per què això pot ser interessant a nosaltres amb la Mediterrània. Jo no us ho explicaré, us ho haureu ella, que m'ho dirà, però entre altres factors, quan nosaltres parlem que és tan difícil a la Mediterrània amb els conflictes, penseu que ja tenen tenen russos, us podeu imaginar aquesta complexitat i després parlar de cooperació. I a més d'una cooperació, per presentar una mica la llegenda, on ella i el centre d'estudis i de recerca, on estan mirant quina manera de col·laborar i incidir a nivell a la Georgia, que ens expliqui per què ella considera que aquesta operació pot interessar a nosaltres. Thank you for your nice words, first of all. Thank you for the invitation. For me, these have been two very interesting ones and very interesting days of dialogue and networking. I'm coming from Athens, Greece. It is a Mediterranean country, but my work is focusing on the
Black Sea region. About the Black Sea region, and to bring the perspective of cooperation in the Black Sea region, let me say that at policy level, at sea basin level, cooperation in the Black Sea, when we are talking about the Black Sea cooperation, the wider Black Sea cooperation, we mean the organization of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC. Today, BSEC organization is the most mature, the most representative, and the most inclusive form of regional cooperation in the Black Sea. It is similar to the UFM, meaning that it is an intergovernmental organization consisting of 13 member states. And the spoiler, as Gemma said, is that membership is starting from the Balkans, Serbia, Albania, Greece, and North Macedonia, moving to the littoral states of the Black Sea, Bulgaria, Romania, Ukraine, Russia, Georgia, and Turkey, to the South Caucasus, Georgia, Armenia, and Azerbaijan. So as you can see, we can safely say that there is not one country that has not an active, frozen, or any kind of dispute with another, at least two, and even more, sometimes it's three, four. So you can imagine that working with the Black Sea, it's never, there is never a dull moment. So coming back to cooperation, so you very rightly ask how all these countries cooperate, how you can say how you can talk about cooperation in the Black Sea. There is the spoiler, the plot twist, as we say. Despite and in spite of all these problems and challenges, the countries of the Black Sea have very early in the 90s, early 90s, 1992, realized that there is an alternative paradigm of cooperation, that despite these conflicts, there is merit and there is benefit for their development if they join forces to support their economic cooperation. So they have established the Organization of the Black Sea Economic Cooperation. It operates on a permanent international secretariat based in Istanbul, and it has four related bodies, ICBSS being one of them, in charge of the research aspect. There is also the financial aspect operated by the Black Sea Trade and Development Bank, the parliamentary aspect by the Parliamentary Assembly, which is based in Istanbul, the bank is based in Thessaloniki, Greece, and the Business Council, that has a rotating chairmanship. The organization as such has also a rotating 6-month chairmanship by a member state. Currently, Albania is finishing its chairmanship in the end of June. Armenia starting for the next semester, it goes alphabetically. The main objective of the organization and why it has been successfully operational for more than 30 years now is that has excluded hard security and hard politics from its portfolio. It is not considered and should never be considered as a conflict resolution mechanism.
nor a battlefield of power politics, although this cannot be avoided sometimes, but it is there to strictly and solely promote economic cooperation among the member states across 25 or more areas of cooperation, starting from education, tourism, culture, trade, to healthcare and transport, agricultural cooperation, etc. So through the dedicated working groups, we promote synergies, either multilaterally or bilaterally, in these 25 areas of cooperation. The organization works top-down, meaning that the higher organs of the organization are the ministries of foreign affairs of the member states, but it also works bottom-up, and to this end, the related bodies and the working groups help a lot, bringing together the very, very active, and I want to stress that, because the Black Sea region is not very well known about that. It is known about the rich resources, natural resources, the energy. Of course, as we always say, the geostrategic location, we call it a crossroads of connecting East and West. But the countries of the Black Sea have a strong and well-educated research networks, science communities, industry, and very active business networks. And as the related bodies, including ICBSS, foster this cooperation among the networks, and we strive to keep it alive, even amidst this crisis, regional crisis, because we see merit in that. We see merit in the cooperation bottom up. The EU has acknowledged the importance of the Black Sea to bring the EU into the discussion, and has launched two policies targeting specifically the region in 2007, if I'm not mistaken, the Black Sea Synergy Initiative, which focuses exactly on the geography and the countries of the BSEC organization, and the Eastern Partnership, which is more known, as I understand, which focuses mainly on bilateral relations of six of the countries, which are now in the process of gaining the EU membership. I will say more about the Black Sea Synergy initiative because. This initiative was launched to support and contribute to the works of BSEC in promoting economic cooperation in a project-oriented, result-oriented, and bottom-up approach in the region. It has the Black Sea Synergy Initiative. It has provided a supporting framework for the networks at operational level of the Black Sea to facilitate dialogue, to contribute to knowledge exchange, and to offer outside knowledge, for example, from the Mediterranean, in the case of the blue economy that was recently, 2019, adopted in the Black Sea, to bring this know-how from other sea basins and support synergies in the Black Sea in various cooperation fields. Unfortunately, the war caught up the developments in the EU and European External Action Service when it comes to the Black Sea Synergy policy. There was supposed to be an assessment of it. It is long overdue. I know that they are currently working on it. It focuses, as I said, precisely on and solely on cooperation fields like tourism or education or trade or energy, and it evaluates the progress and environmental, of course, policies, and it evaluates the progress made within the Black Sea environment, and I'm very much looking forward to its launch, its release, because I'm sure there will be many aspects there that we can take up and follow through together. And to conclude, I will not take much more of your time. Yes, just to highlight three points
to facilitate the discussion of our session today, based also on what I heard yesterday. When it comes to structural, we don't like the word gaps, but or weaknesses, but that's the reality. And I think they are shared in the two regions. First of all, I heard from many speakers yesterday that there is a gap between higher policy making and decision making and the operational level, that the stakeholders, meaning civil society, academia, industry, etc., are not feeling included in the decision and policy making process. And we have seen the same in the Black Sea. There are often policy gaps. Policies are often fragmented, or they do not actually respond to actual needs. And this brings me to the second point, which is ownership and co-creation, that very rightly the stakeholders feel that are not included in the making process, the decision or the policy making process. And there is also a third aspect, which as I discussed with Gemma, I'm not sure if it applies to the Mediterranean region, is the centralized governance of the countries, meaning that the state, and this is a residue from the Soviet era, the state is in control, I don't like this word, but mostly in charge of policy making and decision making, meaning that regional authorities and regional stakeholders do not have this much involvement in the processes. This has changed a lot, of course, over the 30 years, but there is still room for improvement. And to lead the way to my fellow panelists, I know that there are actors in both regions that could come forward and assume a more active role and facilitate and this dialogue and knowledge exchange in order to bridge this gap in a knowledge-based, targeted, and result-oriented way. Thank you. Thank you very much, Tina. Well, we all realize the importance because she's speaking from a basin strategy that is a kind of innovative transnational cooperation, very much similar to our macro-regional vision. There are different responses of cooperation and collaborative governance they are putting in place in the territorial, let me say, cooperation, responding to the special needs of each area. So a lot of lessons learned, despite the difficulties of security and political, they have this basin thing. Despite of this not multi-level perfect governance, they are trying to get the gap. So this is also a lot of things. Turkey, Greece, that are also Mediterranean, even the Black Sea, here the persons that know a lot about the climate, whatever, the consequences of the climate change with these waters mixing with the Mediterranean waters, meaning a lot of things that put us in the point of thinking to speak more together and to perhaps promote a more interesting, So let's do the second round for these questions. Now to finish the first, let me say, approaches from, if I may say, a European, let me say, perspective. There is, we have here with us Thomas Perrin. Vous allez parler en français, alors on va changer. Hein? On parle ici toutes les langues, on aime beaucoup de... Molt bé, gracias. Oui. Alors Thomas Perrin, lui, il est professeur associé en planification régionale et sciences sociales à l'École d'architecture de Montpellier, aussi bien que d'autres recherches. Et lui, il a été aussi avec nous depuis le début de les Medcat Days, parce qu'il gère, il fait toute une réflexion sur la coopération territoriale qui nous intéresse beaucoup. De la France, vous êtes très active en faisant de la recherche territoriale et nous faisons aussi, nous travaillons ensemble pour visualiser quel peut être le futur de la coopération territoriale. Et vous avez quelques idées à échanger avec nous à ces propos.
Alors, vous avez de 10 minutes pour... Gracias, Gemma, y buen día a todos. Y muchas gracias a la Generalitat y a l'IEMED por la invitación a discutir de este tema, ¿no? De la cooperación territorial en Mediterránea. Déjà, ce n'est pas un thème simple, mais j'ai déjà une bonne nouvelle pour commencer, c'est-à-dire qu'en Méditerranée, en termes de coopération territoriale, on a énormément de nombreux organismes, initiatives, programmes sur différentes thématiques, à différentes échelles. Il y a de la coopération territoriale en Méditerranée, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ceci étant dit... L'idée peut-être aujourd'hui, on a vu les débats, on a vu hier l'urgence aussi, de mettre en place des projets pour lutter notamment contre le changement climatique et d'autres enjeux. Peut-être dans cette complexité, cette diversité, ce foisonnement de la coopération, il y aurait peut-être une possibilité pour avoir des projets vraiment d'intérêt macro-régionaux, disons, dans l'idée des stratégies macro-régionales, de passer outre, aller au-delà de la complexité pour l'opérationnaliser. Ce sera un peu l'idée, en anglais on dirait streamline cooperation, un mot-clé ça pourrait être streamline, alors ça serait rationaliser, rationalisar. Voilà, alors rationaliser, pas au sens financier ou banquier, hein, bien sûr, plutôt au sens de Raymond Aron en sciences politiques, c'est-à-dire avoir une politique qui vise à une action effective en fait. Introduire une sorte d'ordonnancement, d'organisation, streamlining coopération. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça serait peut-être essayer d'avoir dans cet esprit hein, des stratégies macro-régionales une entité réduite formée d'acteurs déjà existants, une sorte de plateforme basée sur les réseaux déjà transméditerranéens existants. Une plateforme des... Alors, moi, personnellement, je trouve que l'alliance MedCoop, j'étais ici quand elle a été signée en 2019 pour les premiers MedCat Days, cette alliance est un peu l'embryon de ce que pourrait être peut-être une espèce de plateforme opérationnelle d'acteurs, d'entités. Alors, limitation donc, dans le nombre d'acteurs impliqués, mais aussi limitation sur les thèmes, parce qu'évidemment, il y a énormément de thèmes à traiter en termes de coopération, notamment dans un espace aussi vaste que le bassin méditerranéen, parce que quand on regarde les autres stratégies macro-régionales en place actuellement, si vous voulez, l'emprise géographique est plus petite que celle finalement de l'ensemble du bassin méditerranéen. Si on prend l'Adriatique, hein, c'est un peu le centre méditerranéen, bon ça c'est un débat, la Baltique, les Alpes, etc., c'est sur des emprises géographiques spatiales plus limitées. Donc il y a beaucoup d'actions. Donc je pense que si on veut des projets, disons, d'intérêt macro-régionaux, effectifs, opérationnels, avec des réponses concrètes, un peu comme ce que la collègue, n'est-ce pas, Georgia nous a expliqué, ça serait aussi de donc, streamline... l'entité, enfin l'organisation, c'est-à-dire l'entité agissante, sous la figure peut-être d'une plateforme qui rassemble, mais un outil, disons, flexible aussi. Hein. Ce n'est pas créer une nouvelle institution, évidemment, c'est se baser sur l'existant, mais trouver donc, cette manière donc, de coordonner l'action au sein d'une plateforme, et puis limiter aussi donc, les thématiques ou les projets que... cette alliance, quelque part, macro-régionale, pourrait traiter, en tout cas, essayer de mettre en synergie les nombreuses initiatives sur une thématique donnée, les mettre en synergie à l'échelle macro-régionale, donc les identifier déjà, parce qu'il faut déjà identifier ce qui se fait. Hier, on parlait de la thématique de l'emploi. Il y a de nombreux projets sur l'emploi en Méditerranée, au nord, au sud. On aurait du mal aujourd'hui, je pense, à avoir une liste et à les agréger, à les mettre en synergie, pour voilà, voir un petit peu les complémentarités, les synergies entre ces différents projets à une échelle toujours macro-régionale. Donc limiter aussi, parce que quand on dit par exemple le changement climatique, derrière le changement climatique, c'est un défi en soi, mais vous avez la question de l'eau, vous avez les questions des infrastructures, enfin il y a, je ne sais pas, je ne sais même pas combien il y a de questions qui se déclinent, donc ça serait plutôt limité. Les thématiques dont s'emparerait cet organisme macro-régional, enfin organisme, le mot est peut-être un peu trop fort, ce body, on pourrait dire en anglais, ou cette entité, voilà, cette plateforme. Moi je trouve que l'idée de plateforme qui était dans le rapport, Gemma, que tu as fait pour l'IEMED, était intéressante.
Donc limiter ça, et ça pourrait être des thèmes qui tournent, en fait, c'est-à-dire pendant un an ou deux, une thématique, et on met l'accent dessus à l'échelle macro-régionale, sans nier évidemment l'ensemble des autres initiatives, mais c'est-à-dire streamline one topic, un sujet, un thème, un objet, pendant un an ou deux peut-être, pour avoir une action dédiée, une mise en synergie macro-régionale sur ce sujet, pendant un an, deux ans, et puis changer, voilà. Il me semble que ça pourrait faire avancer certains sujets que les acteurs, entre eux, décideraient de mettre à l'agenda de manière très opérationnelle, pour le coup, sans évidemment remplacer les actions diplomatiques, interétatiques, extrêmement importantes dans cette zone également de tension, on le sait. Mais là, je parle, moi, vraiment, j'ai une vision plus voilà, pragmatique, opérationnelle, de ce qui peut se faire pour le développement des territoires. Et donc, après, je vais terminer sur ça. Sur le troisième point, il me semble qu'il faudrait rationaliser la coopération. C'est-à-dire qu'en termes de coopération territoriale macro-régionale, je pense que les acteurs impliqués, les acteurs agissants, devraient être avant tout les autorités territoriales. C'est-à-dire sans, évidemment, se substituer à ce qui peut se faire au niveau d'une union pour la Méditerranée qui est menée par les États, la diplomatie des États. Mais là, je pense que si on veut vraiment, en termes macro-régional en tout cas, et c'est l'objet d'ailleurs de ce qui est dans le rapport, le dernier rapport de l'Union européenne, enfin du Parlement, on va voir le Conseil ce qui se passe, parce que bon, le Conseil n'est pas encore tout à fait stabilisé. On ne sait pas qu'il y aura pour la France dans quelques temps, d'ailleurs, au Conseil. Du coup, ça serait donc de... Voilà, c'est l'esprit de ce rapport, excusez-moi, voilà, j'espère que c'est clair. L'esprit de ce rapport dit que cette gouvernance-là macro-régionale doit se passer au niveau des autorités territoriales, doit être prise en main par ces autorités territoriales. Donc la plateforme MedAlliance, en fait, derrière, c'est surtout des autorités territoriales. Mais attention, quand je dis autorités territoriales, chaque pays a sa gouvernance, son organisation territoriale. Donc, par exemple, à l'échelle française, je pense aussi aux préfectures qui sont des services de l'État, mais qui sont territorialisées. Donc, ça ne serait pas forcément le ministère central, mais plutôt la délégation territoriale de l'État qui devrait être plus, je pense, impliquée dans ces projets-là macro-régionaux. Encore une fois, sans remplacer les autres initiatives à d'autres échelles. Mais si on va avoir une macro-régionalisation effective, il me semble... Voilà, donc ça peut être des préfectures, puis ça peut être, bon, en Espagne, ça sera plutôt les communautés autonomes, parce que la structure de l'Espagne fait que, mais les villes également, etc. En Afrique du Nord, on a les wilayas, par exemple, qui sont des services de l'État territorialisés. Notre collègue va nous parler aussi de ce qui se passe au niveau du Maroc. Voilà, sans, donc voilà, quand je dis autorité territoriale, ce n'est pas forcément les autorités décentralisées en fonction de l'organisation de l'État, mais en tout cas, ça se passe au niveau territorial. Donc streamline, rationaliser à trois échelles en termes des sujets traités, en termes des acteurs qui voilà, mettent en synergie, mettent en vie les projets, et en termes aussi de l'échelle, c'est-à-dire pour moi ça doit se passer à l'échelle territoriale des territoires bordant notre beau bassin méditerranéen, si tant est qu'on puisse le faire à l'échelle de tout le bassin, ou à l'échelle peut-être de sous-plateformes voilà, territorialisées au sein de notre bassin méditerranéen. Voilà. J'ai peut-être été un peu long. Et, non, non, voilà, merci. Merci beaucoup. Non, merci parce que ça c'est l'exercice un peu d'aujourd'hui, d'une vision de la France, des études qui sont en train de mener à niveau de coopération territoriale, d'une vision, disons, propre à l'école, disons, française, si je peux dire, de cette idée de coopération territoriale. Il vient de donner des idées comment on pourrait envisager. Il s'agit peut-être que de ces centres académiques, de ces centres de recherche, toutes ces idées puissent être formalisées à côté de tout ce qui c'est la pratique et vraiment tout ce qu'on fait à la pratique vers les programmes, tout là. Mais ce n'est pas de faire de l'analyse sur les programmes que nous faisons, sur la pratique. C'est un peu d'envisager à côté de ça, qu'est-ce que pourrait être de nouvelles façons de gouvernance. Exactement. Si nous croyons que ça peut être un dialogue entre comme ça, on peut faire un peu, on peut mettre ça un peu en relevance. Parce que des moments, pour le moment, chacun a ses idées et ça vient donner, ça c'est notre approche, un peu de là-haut, c'est qu'on est les définitions. Il n'y a pas peut-être une discussion à propos d'une analyse, une recherche qui pourrait être intéressante. Alors, et ça convient beaucoup à quelques démarches qui maintenant sont en train de se faire et peut-être pourraient aussi profiter de ces idées. Alors, merci, ça c'était part de l'exercice. Maintenant, on part à la deuxième partie de cette table ronde, de ce dialogue, avec une approche qui ne vient pas de l'Europe, qui nous vient du sud de la Méditerranée.
Et on croit que le temps est venu aussi de donner un peu de, disons, de protagonisme aussi à l'idée que nos voisins du sud de la Méditerranée, ils pourraient avoir de qu'est-ce qu'ils envisagent de cette coopération. Toujours on est là en disant, venez coopérer avec nous, nous avons ce programme européen pour vous, on peut partager ça, mais peut-être c'est temps de dire, est-ce qu'ils sont prêts à cette coopération, ils ont des moyens, est-ce qu'ils ont, comme vous venez de dire, peut-être il y a des différentes échelles à tenir compte. Alors nous sommes très contents que dans cet exercice, nous comptons avec... cette online contribution du professeur Larabi Haidi. Il est senior fellow au Policy Center for the New South au Maroc. Nous sommes très contents parce que M. Haidi il a la double casquette de grand connaisseur de l'euro-méditerranéen, des relations internationales, économiques, de la région, avec qui nous avons travaillé beaucoup dans cette démarche, mais qui vient de joindre aussi pour nous dans cette vision territorialisée, si je peux dire, cette vision aussi nouvelle pour le Maroc. Hier, M. Haidi, on a écouté beaucoup sur l'envie des autorités, notamment régionales du Maroc, de coopérer. Nous voudrions bien savoir un petit plus, ce sont ces réformes qui sont en train de se faire au Maroc et s'ils envisagent ces réformes, cette sorte de coopération que nous sommes en train de parler. Vous avez la parole. Et on ne s'écoute pas un moment, on ne s'écoute pas, on se voit très bien et on ne s'écoute pas. Ah bon? Ahora, maintenant. Sí. Muy bien, ahora sí. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour Gemma, bonjour Ivan, bonjour les autres amis que je viens de découvrir. C'est une belle opportunité pour moi de contribuer à ce débat pour redonner un peu de souffle à travers votre initiative à la réflexion sur la coopération euro-méditerranéenne, le rapport entre les deux rives, surtout sur une dimension extrêmement importante qui est celle du développement territorial et dans un contexte aussi très compliqué aujourd'hui. Nous sommes évidemment enfin, dans des, aussi bien au nord qu'au sud, vous l'avez certainement examiné hier, je n'ai pas pu suivre de vos débats, dans une transition, transformation, une transition à multidimensions, transition vers les économies vertes, transition vers le numérique, transition vers l'approche plus inclusive des projets de développement. Donc toutes ces transitions sont partagées par le Nord et par le Sud à des rythmes très différents, avec des moyens aussi enfin, très différents, mais avec une volonté commune, c'est celle enfin, de lever les doutes sur l'avenir enfin, de cette région en mettant le cap dans un environnement extrêmement incertain, géoéconomiquement, géopolitiquement, perturbé. Mais la volonté, c'est celle qui vient des acteurs quand ils s'affirment comme volonté d'action commune. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi au devant de la scène. Vous avez évoqué certainement les changements climatiques. M. Perrin le disait tout à l'heure, les changements climatiques ils se manifestent sous des formes différentes, avec des intensités au moins différentes. Le littoral n'est pas la montagne, n'est pas la région pré-saharienne, n'est pas le stress hydrique, on connaît plus des régions que d'autres, etc. Donc on a besoin d'une meilleure connaissance, d'un meilleur diagnostic, et le meilleur diagnostic, c'est celui qui vient du bas, c'est celui qui vient des acteurs. Et donc là, la région et les collectivités territoriales sont vraiment au front de cette transformation. Et il s'agit de les, pas tout simplement de les accompagner, mais de leur ouvrir plus de capacités en fin d'action et d'initiative. Je pense que dans ce débat, il y a un agenda aujourd'hui qui est partagé entre le Nord et le Sud. C'est ce qu'on appelle la reprise verte, la reprise numérique, plus de résistance, plus de résilience, etc. Mais il faut inscrire évidemment ces orientations qui émanent enfin, des nouvelles orientations de la politique de voisinage depuis 2021-2022. Il faut les inscrire dans des programmes et des projets dans le cadre des territoires. Il faut aussi alimenter les orientations et les actions des acteurs locaux pour accélérer la mise en œuvre de cet agenda vert.
Il faut éviter aussi que la politique de revoisinage ne continue à être perçue beaucoup plus sous l'angle à travers le prisme financier. Nous avons besoin de ressources, c'est vrai, mais au-delà de ressources, nous avons besoin des échanges d'expériences, des dialogues entre les acteurs et en même temps d'un référentiel effectivement de valeurs partagées, quelle que soit la complexité que l'on donne à cette notion de valeurs partagées et de sa difficulté. Donc il s'agit d'agir conjointement pour construire justement un partenariat entre les acteurs et les acteurs locaux qui soit équilibré. Et on va voir qu'au fait, cet équilibre n'est pas facile à réaliser parce que les compétences des collectivités territoriales sont très différentes entre le Nord et le Sud, même s'il y a évidemment dans le Sud aussi des différences dans l'avancée sur la capacité de la démocratie locale et de l'autonomie enfin, des acteurs locaux. Donc, notre défi en tant que vision territoriale du développement des Devoirs, c'est celle de créer justement et de consolider cet espace de coopération entre les acteurs locaux et de coopération bâtie sur une vision politique, évidemment, mais en même temps un dialogue stratégique. Ce n'est pas une vision politique qui est bousculée par les conjonctures ou les mauvaises conjonctures ou les difficultés du moment, mais qui garde quand même le cap dans le dialogue stratégique et qui, je dirais, même préserverait les acteurs locaux des dissensions qui peuvent se manifester à un moment ou à un autre à l'échelle centrale et à l'échelle des États. Et je sais évidemment que c'est une vision idéale, mais c'est aux communes, aux territoires, de préserver aussi cette capacité de dialogue quand, au niveau de la conjoncture politique entre les États, il y a des difficultés à faire avancer un certain nombre d'objectifs communs. C'est en même temps des espaces à construire qui sont des espaces de connaissances partagées. Pourquoi de connaissances partagées? Parce que les choses évoluent très très vite du point de vue du changement climatique et du point de vue des transformations des sociétés numériques. Et donc par conséquent, la data et l'information est extrêmement déterminante dans le choix des programmes et des projets. La data, l'information, comment la créer, comment la mettre en valeur pour faire émerger des programmes qui sont prioritaires et des programmes sur lesquels il y a une entente entre les différents acteurs. Il y a des espaces, évidemment, de convergence économique et sociale qu'il faudrait exploiter. Ceci étant le cadre de manière générale. Mais si nous raisonnons, en tout cas à partir du Maroc, et peut-être même d'une manière un peu du sud de la Méditerranée, sur cette coopération décentralisée, quel est son état actuel et quelles sont les perspectives face à un environnement nouveau? La première idée que j'ai, c'est comment agir pour faire évoluer progressivement cette coopération décentralisée d'un modèle top-down à un modèle bottom-up. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en contradiction les deux modèles, mais nous savons évidemment que la coopération décentralisée dans nos pays du Sud, en tout cas du Maroc, quand je vois les données, les programmes, les projets, ça reste encore centralisé par la direction qui gère les collectivités territoriales au niveau national. Ce n'est pas le biais de cette direction des collectivités territoriales que sont validés les programmes, que sont validés les projets, que sont mobilisées les ressources auprès des organismes internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, et qui sont affectés par le central à des thématiques différentes, soit uniformes selon les régions, soit différenciées selon les régions, selon les priorités. C'est un modèle, évidemment, qui a donné des résultats, parce qu'il a l'assurance de la stabilité, de la négociation entre États, etc. Mais aujourd'hui, les acteurs locaux ont besoin d'émerger en tant qu'acteurs autonomes relativement. Quand je dis autonomes en termes de compétences, quand je dis compétences, c'est-à-dire les pouvoirs qui leur sont dévolus par les textes de loi. Et là, je reviens par exemple au Maroc. Il y a un processus de généralisation, de régionalisation avancée depuis quelque temps. Et quand on voit les compétences des différentes échelles des collectivités territoriales, les communes, les provinces, préfectures et les régions, la région, c'est aujourd'hui l'acteur pivot. C'est celui qui dispose, disons, de compétences et surtout, pas seulement de compétences, de moyens un peu plus adéquats que les communes ou que les préfectures, etc. Elles dépendent des ressources du ministère. Mais en tant que ressources autonomes, c'est les régions qui disposent d'une marge d'action relativement un peu plus large que celle enfin des communes. Et donc, les compétences de ces institutions sont très différenciées. Vous avez des compétences propres qui sont partagées par toutes les communes.
Compétence propre, c'est un principe général, c'est-à-dire que toutes les communes ont la latitude d'initier un certain nombre de programmes et de projets pour le développement économique et social. Mais c'est une compétence trop vague et trop générale. Quand on voit dans le détail, les compétences propres sont distinguées selon que vous êtes une région et vous avez la latitude enfin, de mener un certain nombre de programmes dans l'éducation, dans la santé ou dans les infrastructures, ou les communes, et notamment les communes rurales, où vous n'avez pas de moyens nécessaires pour mener en face. Donc vous avez des compétences propres, mais vous n'avez pas les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre, d'une certaine manière. Il y a aussi des compétences partagées entre l'État et ces collectivités territoriales, dans le cadre d'un programme discuté, etc., dans lequel qu'on peut intégrer évidemment les communes. Maintenant, l'enjeu, c'est que les régions sont des acteurs pivots qui ont relativement un peu plus d'aisance, je dis bien un peu plus d'aisance parce que les régions ne sont pas toujours le même niveau de richesse, un peu plus d'aisance financière, donc un peu plus de capacité d'initiative. Hein. Un peu plus de capacité d'initiative, c'est et qui leur permet d'être des interlocuteurs d'acteurs régionaux au nord de la Méditerranée. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc, qui fait partie du Collège de France, dans le cadre de ce qu'on appelle enfin, la démocratie locale, etc., il a été reconnu par ce statut, disons, d'acteur décentralisé, les régions marocaines. C'est une excellente initiative. Mais ces communes ayant, ou ces régions ayant des moyens différents, elles ont des plans de développement. Mais souvent, les plans de développement régionaux sont beaucoup plus financés par des transferts de l'État que par les ressources propres, d'une certaine manière. Donc voilà un peu le dessin. C'est ce qui rend aujourd'hui que les initiatives en termes de compétences juridiques existent, mais en termes de capacité et de moyens de les mettre en œuvre, elles sont relativement enfin, limitées. Et donc par conséquent, l'objectif aujourd'hui, mais ça dépend pas évidemment de la coopération décentralisée, ça dépend de comment évolue le transfert des ressources du national centrale vers des régions, c'est les réformes internes. Mais les régions peuvent aujourd'hui être à l'initiative d'un certain nombre de programmes et d'actions enfin dans cette perspective, d'autant plus qu'elles ont à la fois des outils de planification et qu'elles ont des programmes et des plans dans lesquels elles peuvent inscrire enfin leur priorités. Je terminerai sur une chose, au-delà de ce schéma général, enfin des compétences qui est extrêmement importante pour bien mesurer quelle est la possibilité d'agir en commun entre le Nord et le Sud en tant qu'institution territoriale. C'est vrai que la coopération décentralisée, qu'elle soit, disons, centrale vers le bas et qu'elle soit vue sous l'angle enfin du bas vers le haut, est une coopération décentralisée en croissance très forte au Maroc. Il y a beaucoup de projets. Vous avez souligné, M. Perrin, tout à l'heure, le foisonnement d'initiatives. Oui, nous observons même aussi au Maroc un certain nombre de foisonnements d'initiatives entre les acteurs locaux, nationaux et les acteurs de la rive nord. Parce qu'il y a un intérêt réciproque, et il y a un intérêt surtout pour les collectivités territoriales de partager l'expérience, ça c'est sûr, de pouvoir bénéficier enfin, d'un renforcement de capacités et de moyens, et d'aider à travers cette coopération à une restructuration des collectivités territoriales pour qu'elles montent en puissance et qu'elles deviennent évidemment des acteurs locaux. Et il y a des domaines variés. C'est vrai qu'on voit que la coopération couvre du tourisme à la santé, à la formation, en passant par le patrimoine, des champs extrêmement larges et ouverts. C'est une excellente chose, c'est vrai, mais souvent ce sont des actions ponctuelles et pas structurel. L'enjeu aujourd'hui, c'est en même temps de faire en sorte que ces actions s'inscrivent sur un moyen terme autour de thématiques partagées communes, le changement climatique en est un et le numérique en est un autre, qui ouvrent des perspectives sur lesquelles on peut consolider des acquis et on peut monter en puissance progressivement pour renforcer les capacités et en même temps avoir plus d'impact sur les terrains. Donc passer d'une vision ponctuelle à une vision structurelle et en même temps ouvrir le champ de la coopération, pas seulement aux acteurs concernés multiniveaux, mais à la société civile. Les appels de projets sont une excellente initiative ou une excellente manière de faire en sorte que, même si les élus sont plus responsabilisés, que les citoyens des territoires soient plus concernés. Parce que les dispositifs légaux
d'interpeller les responsables locaux sont relativement limités. Mais je crois qu'aujourd'hui, à travers un certain nombre de mécanismes, de plateformes, comme vous disiez tout à l'heure, d'appels à projets, etc., la société civile peut avoir un espace beaucoup plus large d'intervention. Et la dernière idée, c'est de mettre un peu de rationalité, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Perrin, sur le mode d'organisation enfin, de cette coopération, en termes de pilotage, en termes de choix de projet, en termes de thématiques d'intervention, en termes de mécanismes enfin, financiers, et en même temps, et surtout, en termes d'évaluation d'impact. Parce que si nous n'avons pas enfin, cette disposition d'évaluation d'impact, on continue de répéter peut-être les bonnes initiatives d'action commune, mais sans avoir le recul nécessaire sur leur ciblage et leur effet. Donc sortir un peu de ce flou de l'organisation vers une meilleure rationalité de l'organisation. Merci beaucoup de m'avoir écouté, même si j'ai pris un peu plus de temps que nécessaire. Nous sommes ravis que la vision du Maroc pousse et optimiste dans ce sens. On regrette que parfois Maroc n'est pas présent dans des projets tellement importants. Maintenant, c'est Aïdo, cet homme. NextMed, par exemple, c'est une question aussi, tant ou tant que le Maroc est là-dedans et parfois il n'est pas présent dans quelques stratégies importantes. Mais on garde cette idée de cette nécessité de vision et cette potentialité de tout cet effort que vous êtes en train de faire. Ça nous démontre que tout cet exercice a une lecture aussi sud-nord, si je peux dire, vous avez parlé de votre map, de top, mais aussi sud-nord, très intéressant, qu'on devrait mettre plus à l'avance dans nos réflexions. Ce n'est pas une question simplement de l'Europe vers le sud, c'est aussi c'est une question d'une vision partagée, avec un langage qui, bueno, la question de compétences et de moyens, c'est très généralisé pour ce que nous parlons aussi bien en Europe qu'en Méditerranée. Et maintenant, merci beaucoup. Et pour acabar, donc, tenim el professeur Ivan Martí, qui collabore amb la Universitat Pompeu Fabra i també senior fellow al Policy Center del Neusat Sud a Rabat, perquè ens interessava molt la seva visió, perquè ell no és un, diguem, territorialista en aquest sentit. Ell és una persona que analitza les relacions euromediterrànies des del punt de vista del hard policy, si podem dir, des de les economies, societat, ocupació. Ens interessava molt com des d'aquest punt de vista es considera important o no, rellevant o no, aquestes relacions internacionals dels que estem dient, sobretot perquè nosaltres voldríem que aquestes polítiques que fem fossin d'impacte, però també transformadores d'aquestes societats. I no sabem si tot això que estem intentant fer des del bottom-up és realment transformador. Què ens falta, Ivan? I què ens pot? No sé en quin idioma parlaràs, però et seguirem amb l'idioma que vulguis utilitzar. Muchas gracias, Gemma. Voy a hablar en castellano para hacer, completar, completar y hacer trabajar a los traductores que para eso han venido. Muchas gracias, por supuesto, a la Generalitat de Cataluña, al IEMET, por haberme invitado, por organizar esta mesa de reflexión y por movilizar también a los investigadores y al mundo académico de los think tanks, que creo que también tiene un papel que desempeñar y es algo que el IEMET viene haciendo desde hace tiempo en muchos otros ámbitos. Preguntas que qué falta. Voy a empezar por una reflexión que me parece muy importante. Desde ayer, ya en el título mismo de estas MedCat Days, estamos hablando de múltiples crisis, de una crisis global en el título de la sesión de hoy. Seguramente la palabra más mencionada desde ayer ha sido reto, desafío en el Mediterráneo y hemos oído hablar mucho de resiliencia y muy poco de desarrollo, por cierto. Yo creo que lo primero que nos falta es eso, es invertir la lógica en la que, con muy buenas razones, lo comprendo perfectamente, nos hemos hundido de alguna manera, que es una lógica basada únicamente en afrontar los desafíos importantísimos que tenemos en el Mediterráneo y que tenemos que afrontar, y invertir también en desarrollar una visión común de hacia dónde queremos ir, no solo qué queremos evitar y de qué queremos huir, sino hacia dónde queremos ir juntos y con quién.
Y para mí este es el punto de partida también en el ámbito de la cooperación territorial. Por supuesto, todos estos desafíos de los que se habla desde ayer tienen un impacto fundamental a escala local y regional, y esa es la razón de que las entidades locales y regionales, los gobiernos, pero también otros actores locales, tienen un papel crucial en definir esa visión común, definir el perímetro de esa visión común también, definir los objetivos de esa visión común y impulsarla mediante la iniciativa, como mencionaba el Arabi, eventualmente para movilizar los recursos limitados o no que se tienen en el norte y en el sur del Mediterráneo a nivel regional y local y mediante alianzas ad hoc. Y para eso yo creo que voy a mencionar cuatro puntos que me parecen importantes. La reflexión la ha empezado Thierry con su comentario sobre la estructura posible de, institucional de esta nueva dinámica euromediterránea, implicando más a las entidades locales y territoriales. La Arabia ha propuesto varios elementos al final de su intervención relevantes, y yo creo que para completar un poco estas dos intervenciones, que estaban enmarcadas, por supuesto, en la idea inicial sobre la cooperación en el Mar Negro, me gustaría enfocar en tres dimensiones de la reflexión que me parecen importantes. La primera es el perímetro de esta cooperación. Bueno, yo creo que es evidente que 30 años de cooperación euromediterránea han mostrado por lo menos las limitaciones de la cooperación a escala panmediterránea. No que no siga siendo necesaria, no que sea irrelevante, pero sí que tiene limitaciones en cuanto a los resultados que puede conseguir en términos de desarrollo, de prosperidad y seguridad compartidas. Y en el ámbito de la cooperación territorial, creo que también se han mostrado las limitaciones, y podemos discutirlo después, de el enfoque de la cooperación territorial, básicamente financiada por la Unión Europea en el marco euromediterráneo, desde inicialmente con los proyectos Interreg, luego con el proyecto de el programa de cooperación o los programas de cooperación transfronteriza en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad y ahora con NextMed. El enfoque de involucrar a varios países, a diversidad de actores, que enriquece mucho, sin lugar a dudas, la cooperación, pero que en términos de resultados, en cuanto a los objetivos últimos de esa cooperación, ha mostrado sus limitaciones también. Y en ese sentido creo que la cooperación territorial ofrece la posibilidad de una geometría variable que me parece importante, que permite eventualmente, y un poco eso era lo que sugería, o por lo menos lo que yo he entendido de la intervención del Arabi, alianzas incluso bilaterales entre regiones o múltiples, es decir, una geometría variable de la cooperación territorial en función de intereses, en función de retos compartidos también, en función de visión común de a dónde se quiere ir, ir juntos. Y creo que esta reflexión sobre los parámetros debe tocar también a los temas, los tópicos de la cooperación. De alguna manera, los proyectos, los programas de cooperación territorial euromediterráneos han reflejado, como parece natural, la agenda europea en cada momento. La estrategia 2020 primero y ahora la transformación digital, la agenda verde, etcétera. Eso es fácil de entender, tiene mucha lógica, pero no necesariamente y siempre responde a las prioridades e intereses de los actores locales y regionales. Y para mí, este es el segundo elemento que me parece muy importante de esta reflexión, asegurarnos de que tenemos mecanismos para, el bottom up empieza por ahí, por escuchar cuáles son las prioridades de cada entidad o región, ciudad, comuna rural, de cada entidad local y regional, de los actores locales y a partir de ahí desarrollar la agenda. Y hasta ahora la agenda ha venido buenamente, en buena parte, influida desde la agenda europea, que tiene mucho sentido a nivel europeo, pero que a lo mejor no tiene el mismo sentido para todos
las entidades o los actores locales en el marco de la cooperación territorial. Un segundo ámbito de reflexión que me parece muy importante es el de los objetivos últimos de esta cooperación territorial. En el marco euromediterráneo, hasta ahora en buena parte, ha sido un enfoque, yo diría casi propedéutico, de ensayar ideas piloto, de probar cómo funcionaban cosas, etcétera. También venía condicionado por la multiplicidad de actores, el enorme tamaño de la región y los recursos limitados. A partir de esos primeros proyectos pilotos, intentar capitalizar y aprender. Y digamos que es un enfoque muy racional y que tiene mucho fundamento. Pero, y ahí enlazo con lo que decía Larabi, no se ha insistido, a mi juicio, suficiente a nivel de la cooperación territorial en la creación de nuevas dinámicas de transformación y de desarrollo, en realmente crear programas que tengan capacidad de transformación territorial, de un territorio, y no simplemente, como decía él, intervenciones puntuales en torno a determinadas temáticas, que, repito, pueden tener sentido, pueden ser útiles, pueden producir resultados, pero seguramente, y creo que la experiencia lo avala, no son capaces de transformar un territorio, que es lo que queremos, ni desarrollarlo. Tercer elemento fundamental, el tema de los formatos. Yo creo que el formato básico de cooperación con el que se trabaja desde hace por lo menos 10 años en el contexto euromediterráneo, tanto a escala euromediterránea como a escala de la cooperación territorial, es el proyecto. Los proyectos tienen la ventaja de que tienen objetivos claros, recursos claros, se aplican, se hace el informe y ya está. Tiene el problema, como decía Larabi, que son intervenciones puntuales por definición y yo creo que en términos de los formatos es importante también hacer una reflexión sobre cómo integrar los proyectos, no digo necesariamente siempre superar los proyectos, pero integrar los proyectos en una dinámica de desarrollo territorial más integrada. En Europa lo hemos hecho, eso es el modelo de éxito los fondos estructurales europeos, consiste precisamente en adoptar un enfoque territorial a la inyección de recursos y de proyectos en un espacio determinado, una región, etcétera. No hay razón para que no intentemos, por lo menos en términos de formatos, extender ese modelo a nuestros vecinos del sur y del este del Mediterráneo o profundizarlo entre regiones europeas. Y lo último, y con esto acabo, Gemma, creo que es importante también, y es un tema complicado, pero es importante también ser conscientes de cuáles son las precondiciones para esa cooperación territorial. La cooperación territorial involucra actores locales, involucra a gobiernos locales y regionales y no puede, y seguramente no debería, ponerse en práctica en cualquier contexto y en cualquier condiciones. Yo creo que hay tres elementos claves en los que hay que incidir. Uno es el de las competencias, por supuesto. Si no tenemos entidades locales y regionales con unas competencias mínimas, y Larabi ha dicho como en el caso de Marruecos, indudablemente en los últimos años, con el proyecto de regionalización avanzada, estas competencias mínimas han aumentado un poco, él decía, suficiente, por lo menos como para permitir a las regiones tener cierta capacidad de iniciativa y cierta capacidad sobre sus propios proyectos. Entonces, primer cuestión, competencia. Y en el caso de los países del sur del Mediterráneo, las competencias de las entidades locales y regionales en dos o tres países son aptas para la cooperación territorial, seguramente los demás no, por ser claro. Segundo elemento, los recursos. Y aquí hay una asimetría clara en la distribución de los recursos entre el norte y el sur del Mediterráneo y es importante ser consciente de esos y mutualizarlos de alguna manera. Si queremos un desarrollo compartido, tenemos que mutualizar los recursos. Si no,
Y tercero, que es muy importante y entronca con lo último que decía el Arabi, el tema de la involucración de la sociedad civil, es la legitimidad. El enfoque territorial solo es posible si está la cooperación territorial no involucra solo a gobiernos locales y regionales, involucra a actores locales. Perdón. Pero una cooperación territorial con un enfoque estructural de desarrollo territorial requiere imprescindiblemente los gobiernos locales y regionales para poderse poner en práctica. Sin eso no se puede plantear ese desarrollo estructural a nivel territorial. Y esos actores deben tener la capacidad de movilizar a los actores locales y la legitimidad para hacerlo. Y eso, evidentemente, plantea la cuestión del contexto político, que también, en determinado contexto, yo no sé cómo lo han resuelto, o si lo han resuelto, o si lo han obviado en el Mar Negro, pero que a mi juicio me parece una dimensión importante de la reflexión sobre la cooperación territorial euromediterránea. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Mireu, farem una cosa. Abans de donar-los, perquè l'última pregunta, molt bàsica, que eren dos minuts cadun, era, creieu que pot servir aquesta reflexió des dels centres de reflexió, com penseu que pot ser útil, abans de donar-los això, per què no obrim un torn? Perquè aquí en sabeu molt del que s'ha estat parlant, des d'un altre punt de vista. Vosaltres lidereu projectes, moltes vegades programes importants, on la capitalització, la vostra incidència, o sigui, on heu abordat indirecte o directament molts dels objectius. Què en penseu? Podeu, ens agradaria molt... No sé, s'ha parlat del perímetre, tot això de l'Euromet, aquests projectes que funcionen, funciona col·laborar tota l'àrea, és pertinent? Us sentiu més còmodes fent temes més concrets? Trobeu a faltar aquesta visió per recolzar la vostra feina? Penseu, quan feu recerca, que també seria interessant aquesta reflexió més estratègica? Penseu, quan feu polítiques, que us aniria bé tota aquesta reflexió? Home, tampoc sense ser molt negatius, però podríem, per exemple, donar algunes idees sobre què us ha semblat aquesta reflexió i si teniu alguna cosa a dir sobre alguns temes que s'han apuntat importants. Doncs ens ajudeu a fer una mica de debat. Ui, Déu meu. Abans de... Perquè si no parlaran ells, i es quedaran amb... Sí, sí. Perdoneu. Si no, dono paraules directament a la gent que conec. Aquí, sí, una paraula. Si se pueden presentar. Muchas gracias. Por supuesto. Bueno, creo que algunos me conocen. Soy Vincent o Vincent. Voy a hablar después, así que representa el programa NextMed, la antena. Y bueno, simplemente un poquito en las últimas palabras. Lo que me gustaría recordar es que no debemos valorar un programa de cooperación desde el punto de vista del impacto técnico o temático. Si hacemos eso, estamos pasando totalmente al lado de lo importante de un programa de cooperación. Esto no se aplica a un programa de investigación o a un horizonte, donde ahí claramente es técnico. Pero si hablamos de Interreg, hablamos de cooperación, no hablamos de técnica. Entonces, ahí lo que vale es lo intangible. Obviamente, tenemos que cumplir indicadores para la comisión, todos vosotros en vuestros proyectos, lo sabemos. Pero lo que realmente nos importa a largo plazo, ¿qué es? Es crear esos lazos, es crear esos puentes, y al final estamos haciendo, y luego seguro que lo voy a volver a decir, porque siempre digo esto, estamos haciendo en Interreg lo que hace Erasmus. En Erasmus lo que cuenta no es lo que el estudiante ha aprendido, sino es que el estudiante de Cataluña ha ido a Dinamarca y un danés ha descubierto cómo es un catalán. Al final, es eso también lo que hacemos nosotros. 1000 organizaciones en un programa como el nuestro hacen que se conozcan, que tengan oportunidades de trabajar y están tirando abajo estereotipos, ¿no? Esto es el verdadero valor del programa nuestro. Sé que es imposible, obviamente, valorarlo en vuestros estudios, no digo lo contrario, pero digo... Es importante remarcar esto, porque no debemos perder esto de vista. Ahora hay un debate, incluso hay gente que eran escépticos sobre Interreg. Espero que esto vaya a pasar, pero eso no lo pueden perder de vista. Nosotros
creamos algo intangible, duradero, que crea el Mediterráneo y que crea Europa, claro. Gracias. Octavi Quintana, prima. Bé, jo el que volia és senzillament explicar una mica l'experiència. En primer lloc, estem fent un treball junt de que intentem que tant tots els països europeus com els no europeus siguin un peu d'igualtat, i això només es aconsegueix quan els no europeus s'apropien del programa. I la nostra experiència diu que l'única manera, o una bona manera, de que els no europeus s'apropiïn del programa, igual que els europeus, que no són programes de desenvolupament, són programes de cooperació, i per tant tots han d'estar tenir la mateixa veu, és que els no europeus contribueixin també financerament, que hi hagi una contribució financera dels no europeus, amb un nivell més baix, perfecte, però si no contribueixen financerament no tenen el poder de decisió i no s'apropien del programa. A mi això em sembla incontestable. Aquesta és la primera cosa. La segona és que hi ha molts conflictes polítics entre països, que per tant la manera de tractar-los és baixant el nivell. Marroc i Argèlia no s'estimen molt, però si baixem el nivell de recercadors, investigadors, regions marroquines i regions argelines poden cooperar. En moment de baixar el nivell, millora, facilita la feina conjunta i la cooperació. I per tant, l'estratègia de baixar de país a territori, a regió, inclús més local, això és, es veu que funciona, i de fet funciona perquè tenim molts projectes en els quals investigadors, institucions dels dos països, i dic posat Marroc i Argèlia, però Grècia i Turquia tampoc s'estimen gens, i no us explico Israel amb els veïns, o sigui, no cal tampoc que insisteixi massa en això. I és obvi que, en canvi, hi ha projectes que funcionen en aquest nivell. I tercer és que tenim reptes comuns, però no hem d'oblidar un paràmetre que a mi em sembla fonamental, que és la desigualtat. O sigui, la frontera entre el nord del Mediterrani i el sud i est del Mediterrani és de les que té una desigualtat més gran en recursos, en producte per càpita, especial el gap que hi ha. I això s'ha de tenir sempre en compte perquè crea unes distorsions, o sigui, molt importants, i han d'estar sempre en qualsevol projecte. S'ha de intentar, de la manera que el projecte, intentar mitigar aquest enorme gap que hi ha entre nord i sud. La desigualtat és un problema fonamental a qualsevol societat, però en el cas de la frontera nord, del nord i el sud del Mediterrani, és enorme. Bonjour tout le monde, c'est Nassar Fakir Lajri, le premier vice-président de la commune de Tétouan, nord du Maroc. Je pose la question sur un ou des modèles européens qui ont des bonnes pratiques, qui ont des outils clairs à laquelle la coopération attaque directement le territoire. Est-ce qu'il y a vraiment un modèle ou il y a seulement des tâtonnements là et là-bas? De toute façon, je pense que, comme a été dit, nous devons prendre en considération le territoire au niveau de cette grande opération de coopération. Merci. Merci. Algú més vol intervenir? Doncs farem la ronda final. Es donarà la paraula molt breument, 2 minuts cada un. Estem davant de
la majoria de les persones que estan aquí treballant amb aquest tema, intentant, a més, des de programes, treballar des de recerca, tenint un impacte intangible i concret. Penseu que aquesta reflexió que estem fent avui, que no és res més que amplificar aquesta feina i ficar-la en una estructura que realment tingui una incidència i pugui incidir en les polítiques, penseu, s'ha parlat de coapropiació, d'aquest impacte, com diem, de si hi ha un sol model, de la desigualtat, i també d'una cosa interessant, que és baixant el nivell, a vegades doncs no és veritat que no puguem col·laborar perquè hi ha això, sinó que a lo millor fent d'una altra manera podem incidir més. Moltes idees. Llavors, no és per contestar-les. Fem una última reflexió sobre tot aquest procés del que estem parlant i reflexionant. Té un valor afegit o podrà donar un valor afegit amb totes aquestes demandes? Molt ràpidament, i comencem a la inversa. Ivan, ràpidament, 2 minutos cada uno. Muy rápidamente. Primero, una cuestión que me parece muy importante. Estoy plenamente de acuerdo con lo que han dicho los dos de distinta manera, en realidad, de que se trata, la cooperación territorial habla, son proyectos de cooperación y no proyectos de desarrollo, pero yo creo que un gran reto, y precisamente para afrontar el problema de la desigualdad, que lo determina todo, es hacer funcionales los proyectos de cooperación para una estrategia de desarrollo y insertarlos, enmarcarlos en las estrategias de desarrollo respectivas de las regiones involucradas. Y pongo un ejemplo. Erasmus no se hizo solo para que se conozcan entre sí daneses y catalanes. Erasmus se hizo después de una reflexión muy larga sobre la empleabilidad y las necesidades de formación de los trabajadores del siglo XXI, en el que se decidió que estudiar en otra universidad, tener una experiencia de otra sociedad y aprender idiomas es una dimensión importantísima de la formación de un trabajador del siglo XXI. Con lo cual, había también en Erasmus un objetivo de desarrollo, ¿eh? Es importante. Muy rápidamente sobre los temas de cooperación, lo hago como investigador desde hace 20 y tantos años sobre el Mediterráneo, como senior fellow del Policy Brief. Primero, ¿por qué razón es necesario abordar de forma un poco más informal, pero un poco más estructurada, la interacción entre estas redes que ya existen, estos proyectos que ya existen, y el mundo de la investigación académico? Primero, y yo creo que en nuestro debate ya han salido varias cuestiones, porque hay cuestiones que requieren una profundización del conocimiento que tenemos sobre cómo asociar a los países del sur a las macroregiones cuando se creen, sobre cómo mejor evaluar el impacto. La Arabia ha mencionado eso. No es que haya que evaluar únicamente el impacto a la hora de evaluar los proyectos de cooperación. Estoy de acuerdo, pero estamos de acuerdo que el impacto también es una dimensión importante a tener en cuenta. Entonces, hay cuestiones que requieren involucrar también a investigadores que gestionan el conocimiento. Segundo, cada vez se pone más acento en el marco de la cooperación territorial, especialmente europea, en la capitalización, la generación de conocimiento. Pero hasta ahora se está haciendo en buena parte con los practitioners, los agentes involucrados en la ejecución de proyectos, que son fundamentales para generar conocimiento sobre ellos, pero que a mi juicio no son suficientes, porque no tienen la independencia necesaria, por esencia, porque están involucrados en la implicación de los proyectos y porque su especialidad no es generar conocimiento, es ejecutar proyectos. Y en ese sentido, involucrar a investigadores contribuye a mejorar esa generación conocimiento. Y tercero, hay redes de ciudades, hay redes de gobiernos locales y regionales, hay redes de regiones y no hay redes de investigadores sobre estos temas. Está Euromesco, que es una red de investigadores generales sobre aspectos políticos, sociales, euromediterránea, pero hasta ahora no ha tenido una derivada, digamos, suficientemente desarrollada en el tema de la cooperación territorial. Segundo, los procesos, y me parece muy importante. Creo que esta red o alianza de investigadores en torno a la cooperación territorial solo tiene sentido si se hace en estrecha vinculación con las redes ya existentes, con la CPRM, con MedCités, MedCiudades, con CGLU, etc.
y seguramente con Euromesco también, que es una de las redes, además gestionada en este caso por IEMED, actualmente, que dedicada precisamente a generar conocimiento. Segundo elemento, tienen que ser, en inglés es muy claro el concepto, demand-driven, determinado por la demanda de conocimiento, no por la oferta. Y en ese sentido, yo creo que la involucración con las redes es fundamental, porque los investigadores no sabemos necesariamente lo que necesitan en términos de conocimiento los practitioners. Nos lo tienen que decir. Y solo tendrá sentido nuestra aportación y solo tendremos valor añadido en la medida en que respondamos a esas necesidades. Si no, será otro ejercicio académico que es interesante, pero irrelevante. Tienen que involucrar a los países del sur, acabo ya, tienen que involucrar a los países del sur. En muchos países, en Marruecos hay alguno más, pero sobre todo el Policy Center for the New South, hay centros de investigación que pueden hacer esta función, en otros países también, en otros no. Con lo cual, en muchos casos habrá que involucrar también a investigadores individuales interesados o con conocimiento en estos temas. Y último elemento, es importante escuchar a los actores que ejercen o que ponen en práctica la cooperación, escuchar a las regiones, escuchar a los actores locales para desarrollar una agenda compartida. Larabi lo decía antes, desarrollar una agenda compartida sobre cuáles son las cuestiones prioritarias que una red de generación de conocimiento de este tipo podría aportar en el marco de la cooperación territorial euromediterránea. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que hay muchas ideas y muy buenas. Profesor, bueno, muy buenas para explorar, me refiero. Profesor Heidi, vous avez la parole. Si vous voulez un peu intervenir sur la nécessité, ou pourquoi est-ce que vous croyez que cet réseau de connaissances peut être intéressant ou utile à la démarche de la coopération territoriale? Très brièvement, c'est une minute pour vous donner l'idée. Oui, bien sûr, enfin, il peut être utile parce que tout réseau est porteur d'un dialogue et d'un échange d'expériences. Ça, c'est le premier point qu'il faudrait souligner. Et comme nous évoluons à des rythmes différents, institutionnels, capacités, etc., l'échange d'expériences est extrêmement important pour voir là où on va et comment éviter peut-être les erreurs des autres et comment éviter aussi une longue trajectoire alors que l'on peut sauter quelques étapes, en tout cas au moins dans la conception des projets de développement, dans les programmes de développement, etc. Ça, c'est un premier aspect qui me paraît extrêmement important. Et j'évoquais tout à l'heure un point qui peut paraître secondaire, mais qui, de mon point de vue, est extrêmement important, c'est la question de la data et de l'information. Nous sommes dans un environnement qui est en plein bouleversement sur différents registres, notamment à la question du changement climatique, et avec ça, la diversité de ces formes et de ces manifestations. Et ça va être demain un enjeu important enfin, de l'action, disons, de coopération pour pouvoir résilier ou donner plus de résilience à ces territoires face à ces chocs extrêmement importants. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore de manière très granulaire, je ne dirais pas les formes de manifestation enfin, de ce changement climatique, parce qu'aujourd'hui aussi les techniques de l'information ont évolué. Mais surtout, comment, à partir de cette information, comment la traiter et la transformer dans une mesure du risque et dans un projet qui est un programme qui répond le plus efficacement et de manière la plus pertinente à l'objet enfin, de la question. Parce que, comme je crois, j'ai pu le comprendre à travers les interventions des uns et des autres, il ne s'agit pas de venir avec des programmes établis, il s'agit de répondre à une demande. Il s'agit de répondre à une demande, donc à des besoins spécifiques. Même si évidemment enfin, les questions, les enjeux sont communs. Donc c'est pour cela que l'échange est extrêmement enfin, important d'une certaine manière. Ça c'est le premier point. Deuxième point, quelle que soit l'importance, et je le dis avec beaucoup de sérieux,
quelle que soit l'importance d'une prise en charge du développement territorial par des administrations, qu'elles soient centralisées ou qu'elles soient déconcentrées, hein, quelle que soit leur importance. Je pense que l'approche multi-acteur est extrêmement importante, non seulement pour mieux cibler les priorités, mais pour que tous les programmes et les projets soient appropriés par les citoyens, soient appropriés par les populations à qui elles sont destinées. Et donc, si nous ne veillons pas à cette implication et à cette appropriation, non seulement par des mécanismes institutionnels, administratifs, etc., mais aussi par des modes de dialogue et de concertation à l'échelle locale et entre à travers la mobilité ou à travers les échanges sous forme de plateforme, notamment sur la question des jeunes, notamment sur les questions qui constituent des formes d'inégalité extrêmement importantes. La question de la femme, mais la question des jeunes, évidemment, la question de la spécificité des territoires, ça, c'est la connaissance qui ne peut être apportée que par ceux qui vivent dans le local, qui ont évidemment une vision du global, mais qui vivent dans le local. Et je crois que c'est extrêmement important, cette question de dynamique d'appropriation par la connaissance, dynamique d'appropriation par la participation, et dynamique d'appropriation par le bilan que l'on fait de nos actions, c'est-à-dire ce que j'appelais tout à l'heure le système d'évaluation. Ça, c'est à mon avis important. Et c'est là où les think tanks peuvent avoir un rôle extrêmement important à jouer. Ils ne sont pas des décideurs, mais ils ont un système de veille, ils ont une capacité technique, d'expertise, ils sont dans une recherche qui n'est pas théorique, mais d'une recherche appliquée, d'une application des programmes à l'échelle locale. Ils ont cette capacité aussi en tant que think tank d'être ouverts dans le dialogue à travers le partenariat avec d'autres think tanks. Et je crois qu'aller vers des formes de relations entre les acteurs locaux et les think tanks nationaux ou locaux peuvent être extrêmement utiles pour l'avenir évidemment de notre de territoire et de la coopération nord-sud. Sachant qu'évidemment, c'est institutionnel qui a été évoqué, je ne parle pas beaucoup espagnol, malheureusement, quel que soit mon attachement à ce pays de longue durée. J'épouserai l'approche d'un philosophe marocain qui disait « je parle toutes les langues étrangères en arabe ». Bon, moi je les parle aussi en français, mais j'ai pu comprendre à travers ça que la question de mode d'organisation de cette coopération est extrêmement importante. Le mode d'organisation institutionnelle. Et même sur le mode d'organisation institutionnelle, il n'y a pas de modèle type. Il y a plusieurs géométries variables. L'essentiel, c'est de pouvoir mettre l'accent sur l'efficacité, l'écoute, le dialogue et le suivi. Merci aussi de votre compréhension et nous savons que vous comprenez beaucoup les langues. On n'avait pas pensé à ça et on a parlé dans toutes les langues. Désolée pour ça, mais ok. Non, pas du tout. Enfin, j'ai même essayé de suivre en catalan. Très bien, merci monsieur. Merci. J'ai retenu quelques termes. Merci. Alors, s'il vous plaît, très brièvement, une minute Thomas. Été dit, c'est-à-dire que sur la question précise de quel intérêt d'avoir un réseau de connaissances sur cette question de la coopération territoriale en Méditerranée, c'est ça la question en fait. Ça me semble que c'est important, le collègue du Maroc a posé la question, est-ce qu'il y a un modèle de gouvernance qui serait bien, parce qu'on essaye de dessiner des choses au niveau conceptuel là depuis tout à l'heure, et là ça peut être des personnes dédiées à cette connaissance, à rechercher quel serait un modèle intéressant sans proposer des modèles cloisonnés, fermés, mais voilà, vous avez posé la question et c'est vrai qu'un réseau de connaissances pourrait aider à ça, à dessiner quel modèle pourrait fonctionner selon la demande, etc. Voilà, pour moi c'est un peu intéressant. Et pour terminer, je dirais qu'il y a beaucoup de projets de recherche de collaboratifs en Méditerranée, mais ce n'est pas un réseau pérenne, en fait, qui n'existe pas, parce qu'il y a des réseaux sur la biologie marine, sur les changements climatiques, les incendies, tout ce que vous voulez, en sciences de l'ingénieur, etc. Mais je pense qu'en sciences sociales, un peu un modèle IEMED, finalement, hein, qui serait peut-être notre modèle, notre maman ou notre papa à tous dans ce réseau. Mais en tout cas, voilà, je veux dire, un modèle IEMED en réseau, à l'échelle de la Méditerranée, une alliance comme ça, de production de la connaissance, de recherche, je ne sais pas comment la nommer, une alliance qui serait parallèle à MedCoop Alliance, mais au niveau savoir, pour aider
à vraiment, par contre, la mise en œuvre concrète de politiques adaptées. Voilà. Merci. Je m'arrête là. Merci, Thomas. Et finalement, vous avez quelque chose à nous dire sur votre vision. Oui, je vais. Vous allez finir. Less than 1 minute, just 30 seconds. In the Black Sea, for sure, we have not found the solution. If we had, trust me, I would sell the patent. But what we have realized in the Black Sea is that synergies work. And this is why, as our speaker said, as our colleague said, tone it down a level or two works better. And politics do not affect the cooperation at level of networks. And top-down and bottom-up approaches should not oppose each other, but should complement each other. And a network as such we are discussing could be a very valuable link in bringing these two approaches together and highlighting all that needs to be highlighted and underlined. I hope I was brief. Thank you very much. Gemma, just one yeah. Final comment. It's good to go out our comfort zone. So for me, being here in an environment I'm not familiar with was very useful, and I hope the same to you. I will invite you in a Black Sea event. Thank you very much. I think it's something that from the Mediterranean point of view we appreciate, because we use talk between us, and this is very good to understand that there is something outside that it's also, well, suffering, no, but with the same challenges that we have. Exactly. So, moltes gràcies a tots. Teniu ara un coffee break i espero que us hagi interessat tot aquest, diguem, exercici, que era una mica pilot, però que volíem compartir amb vosaltres, perquè pensem genuïnament que hem, entre tots els actors, think tanks, polítics, institucions, hem de poder estar a l'alçada de la demanda de totes aquestes dinàmiques que ara mateix hi ha a la Mediterrània. I per això aquest exercici ho volíem compartir amb vosaltres avui. Moltes gràcies. Gràcies.